Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons Carthage. Belle la grande de Carthage. On avait fini une techno. Ah oui. Métropole, colonie agricole, colonie civile, colonie de marché, maison fontaine et citerne. Autant dire qu'on va avoir de la dépense de nourriture supplémentaire. Alors beaucoup beaucoup de demandes de nourriture supplémentaire. Je vais partir sur l'agriculture intensive alors, hein, parce que là, je vais vraiment pas avoir assez de nourriture si. Si je continue comme ça. Enfin, si je fais pas cette technologie. Allez, on reprend nos conquêtes. Eh bah, ça va. Pas trop compliqué pour ce traduit-là. Plutôt simple, j'ai envie de dire même. Là, je peux pas. Waouh, je suis. Quoi? Je croyais pas avoir eu de perte. Là, c'est bizarre ce qui s'est passé. Bon, je peux pas aller conquérir Paraetonion. Pas de chance. On a subi trop de pertes. Cependant, je sais que j'ai des troupes qui sont en train de d'être recrutées ici et là. Ouais, un tour. À 4 tours, je sais que j'ai deux armées entières. Donc c'est pas très très grave. Alors. On avait réussi à arrêter une sécession. C'est plutôt cool. Voilà, non, on va prendre la route de Petrodava. Monseigneur, rapide et discrète comme une ombre. Je me glisserai parmi eux. On va voler un peu de nourriture. Les routes, c'est pas ça par là. Hein. C'est ouais, c'est pas très très entretenu hein, dans le coin. Vraiment pas très entretenu. Hein. Ok, je vais faire un petit tour des provinces. Juste déjà dans un premier temps pour. Hop, ça. Pour ces bâtiments-là. Pas ça. Non. Ah, ça va me rapporter beaucoup plus là, les bâtiments spécialisés. Enfin, les villes spécialisées. Donc disons que je les augmente dans un premier temps, que je vais créer le reste par la suite. Wow, ça me coûte cher, mais ça rapporte ça aussi. Puis ça rapportera de l'ordre public aussi, ça c'est bien. Je crois qu'à certains endroits c'était encore limite. Ça devrait plus être limite. D'ailleurs, parler d'ordre public m'a fait penser. Alors je finis juste le petit tour. Ouais, bon là j'en ai besoin. Parler d'ordre public m'a fait penser qu'il serait peut-être temps de faire un empire, l'empire carthaginois. Ça nous donne beaucoup plus de loyauté, un édit supplémentaire, de l'espace de... Enfin, beaucoup de choses. Ça va faire baisser l'ordre public de beaucoup. Mais... Ça vaudra le coup. Empire à 99. Ouais, il y a deux juges quoi qui sont pas de chez moi quoi. Lui. Donc, grossièrement, c'est bon. Alors, ensuite. Comme on a la nourriture qui ne suit pas. On a plus 4 de nourriture par exemple consommée. On va. Oh, c'est cette province qui me rapporte le plus. Oh, trop bien. On va aller tranquillement là sur la consommation. Là, on a déjà 4, 8. 12 et 1, 13 de nourriture consommée supplémentaire, c'est beaucoup. Après, sur une province, hein, donc vous imaginez avec toutes les provinces. Hein. Ça picote un peu la nourriture. Hein.
Puis ça me coûte cher, regardez déjà, hein, au niveau argent, j'ai plus des masses. Hein. Voilà, j'ai plus. J'ai pas de... J'ai pas de centre culturel, de terre consacrée ici. Pourtant, j'ai des terres consacrées industrielles, non? Bah ouais. Ah tiens. Non, bah zut. Ce sera à faire à un moment, tiens. Par contre, ils veulent pas grandir. Taux de croissance. Croissance requise. Ah ouais. Moi, bon, je crois que j'ai atteint la population au maximum ici. Même là. Eh ben. Bon, faisons une citerne à sirène. Ici, je pourrais gagner, mais avec toutes les troupes qu'il y a là, ça se passerait mal après. Ça sert à rien que les affames, hein. Ils ont l'Egypte, ils ont énormément de bouffe. Ok. Ah oui, là on est arrivé là, c'est très bien. Hop. Ici. Ok. Ici, ah, c'est fait. Ici, c'est fait. Ici, tu me sers pas à grand chose, toi, là. On va voir si je peux faire un petit assassinat. Ok, elle a réussi. Waouh, miracle. C'est un miracle. Voyons voir. Lui, il se déplace. Lui, il est en place. Ah, encore? Ah, je pensais l'avoir fait. Mon taux d'imposition. Lui, il va en Magna Grecia, je crois. Et eux, ils vont au sud de l'Éthiopie. Enfin, tout simplement en Éthiopie d'ailleurs. Alors les couches. Oh, ils prennent l'eau. Ah, y a quand même une flotte. Hein. Ils sont 5, il va falloir s'en méfier. Pour le reste, ça devrait le faire. Une petite bataille. Navale pour se réveiller. C'est très bien. Juste faire attention des renforts, comme d'habitude. Hein. Commencer à connaître d'où vont venir les renforts, je ne sais pas. Ça, c'est signe d'un mauvais renseignement, quand même. Ouais, je dis ça. J'ai rien. Allez, on se place. Oh, j'ai totalement fait le placement. Hop. Ok, ah, c'est bien, tiens, le matin, j'ai pas... Oula. Transport. C'est du navire de transport ici, et...
Ici, ok, ce sont les navires un peu plus. Les navires de garnison. Ok, donc là, je vais faire venir mes troupes là. On va se placer. Je sais pas s'ils sont quoi, ils sont que 4 ici. Esclaves, esclaves, esclaves. Ah, ils sont que 4. Ok. Bon, ça devrait être tranquillement géré. Et une fois qu'ils en auront fini, je les mettrai par là, là pour renforcer. Contre les unités là-bas. Contre les unités de flotte de garnison. Ah non, de flotte tout court, hein, même pas flotte de garnison, flotte tout court. Hein. Allez, on va les aider. J'aimerais bien me retourner le plus rapidement possible quand même. Oh, d'accord. Bon. Oh, dommage. Pas si je vais réussir à les aider, mais ça touche pas. On a pas entendu le bruit, c'est que ça a pas touché. Terrible. Voilà. Donc, hop, j'aimerais me retourner le plus vite possible. Oh, non, pas ça. Ah, oh, ça a pris toutes mes unités. Ah, c'est terrible. Ah, ça c'est chiant. On stop. Va volonté. Putain. Ah, quand ça fait ça, c'est. Là, on se replace. On essaie de se placer à peu près correctement. Je ramène mon amiral. Ouais, c'est pas sympa là en plus. Là, ils viennent très vite. Essayer de. Ouais, j'ai bien dit essayer, hein, j'ai pas dit réussir. En plus, c'est une unité d'infanterie, ça. On a quoi? Distance, corps à corps, distance. Alors que j'aille chercher les unités corps à corps en rond, donc tout ça. Les mets en abordage bélier. Hop, les 20 coups. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Non, par contre, mon gars, enfin, tu tires sur tes propres navires. Voilà, c'est passé. Hop, stop. Et vous les gars, mettez-vous bien en ligne. Et là, ça devrait le faire pour le reste, hein. À peu près, quoi. Vu qu'ils sont tous de traviole, en plus dans le mauvais sens. Bon, je vais essayer de les replacer, hein. Pas être chiant. Mais c'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Même eux là, je sais pas pourquoi ils veulent pas se placer comme il faut. Ils sont totalement, mais alors. Bon. En dessus dessous quoi. Oh là là, la débilité des navires qui n'arrivent pas à se mettre droit, ça c'est. Voilà. On va y essayer, hein. On va y arriver au bout d'un moment quand même. À se mettre à peu près droit. On va pas y arriver, hein. On va se rapprocher alors. Ils ont du mal, hein. C'est compliqué, hein, compliqué pour eux. Ici, je vais les faire se rapprocher là. Il y a vraiment très peu de troupes là dans le coin, donc.
Lui, il va être rapidement coulé, autant couler ceux qui sont là-bas. En tout cas, c'est ça se passe bien, hein. Ça se passe même plutôt pas mal du tout, hein. Ah ouais, ça commence à perdre un peu de morale. Les couches, ils ont pas trop aimé, hein. Là, pareil. Ça se passe plutôt très très bien. Ça se coule tranquillement, tel le radeau de la Méduse. Non, c'est pas ça. Wow, tcha 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 tcha. Lui, il a pris cher là, le général. Est-ce qu'il leur reste un général? Même pas. Trois unités, c'est petit lancier, je crois. Esclafondeur. Ah. Infanterie d'esclaves, esclafondeur. Lancier nubien. Et ils ont déjà des lanciers, c'est bien. Bon, par contre, si vous voulez bien terminer comme les. Bon, là, il s'est arrêté de tirer, vous me demandez pas pourquoi. Hein. Si je touche, c'est un miracle ici. Hein. Allez. Ce serait bien que tout le monde s'y mette. Raté. Ah, enfin, un. Un cas réussi. Voilà. Bon, bah c'est une belle victoire. 8 pertes. J'ai encore eu des tirs alliés, c'est pas vrai. 8 pertes pour 4456. Eh oui. Mauvais corbeau, mauvais œuf. Ok. Si tu le dis. Oh, tout ce qui est coulé. Oh la vache. Je vais libérer par souci d'argent. C'est une belle victoire. Rang 5, tu m'étonnes. Il aurait pas monté de niveau que je l'aurais plein, hein, franchement, parce que. Vu ce qu'il vient de faire. Allez, on va vite aller vers Paraitonion. Pendant qu'avec eux, on va se rendre en province de Pasania. Pour recruter de nouvelles troupes. Ok. Je peux pas trop avancer encore. Un peu l'inconvénient. Quatre, cinq, neuf, allez, neuf par province. Ça fait cher en bouffe, hein, quand même. Ah, bon. Là, si je peux l'améliorer, je vais pas dire non. Ah, attends. Comment je peux l'améliorer au rang 4 alors que j'ai pas la technologie? Ouais, d'accord, j'ai pas la techno. Hein. Ah non, si, c'est Gara. Garage, n'importe quoi, c'est grange. Pourquoi j'ai dit une garage? Bon. C'est pareil en Fasania là. Foncier? Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, on refera un petit tour, hein, monsieur. Là c'est 4 et là c'est 9. Ouais, bétail. Bétail, hein, bien meilleur rendement que les granges. En nourriture, du moins, pas en revenu, mais en nourriture. Ah, quoique, en nourriture aussi, hein. Les granges, à part la reconstitution, je sais pas.
Honnêtement. Oh, plus 10% de chance de coup critique pour toutes les actions. Oh, oh bah oui, j'aime ça, moi. Allez. On occupe. Là, ça fuit. Mais ils ont perdu leurs généraux. Il n'y a plus de Boyens. Voilà. Ah, mais c'est. Voilà, faut le dire. Hein, faut le dire. Ça s'est bien passé. Suivant. Suivant les Bulines avec leurs deux territoires, Olbia et Tur. Faisons un peu de reconnaissance. Un sabotage. C'est un choix avisé, monseigneur. J'en ai été témoin. Un espion que j'ai reconnu? Comment puis-je servir Carthage? On y va. Votre prochain ordre, monseigneur. Bon, avançons. Bah, il meurt de faim. On va pouvoir faire un. On redevrait là. C'est foutu. Hein. Là, j'ai un espion. Voyons voir. Est-ce que j'ai un agent à. Dumnoni. Ah oui, c'est vrai, ils sont un peu perdus. Je vais envoyer mon espion par là-bas. Je vais voir un peu ce qui s'y passe. Ah oui, c'est vrai qu'il est. Niveau déplacement, par contre, il est très lent. Il est très très lent. J'avais un juge dans le coin, c'est lui. Voilà, lui il est presque arrivé en Managrecia. On va le mettre à l'œuvre. Eux ils sont en déplacement, très très bien. D'ailleurs, ouais, bah oui, tant qu'à faire. Ah, j'ai plus d'or. Alors, dans le doute, je vais recruter un général avec des éléphants tout beau, tout propre. Ah, j'ai vraiment plus d'or. Mince. Alors. Oh. Oh, ça c'est bien ça aussi. Hop, je vais prendre un peu d'or dans les caisses. On est protégé, hein. Encore cette tour. Je vais reprendre de l'or dans les caisses. Ça me coûte quoi? Un peu de gravitas, ok. Voilà, j'ai volé 12 000. Ah, j'ai volé. Non! Non, de toute façon, je suis l'impérateur, donc l'empereur, je sais pas ce que c'est en carthaginois, mais ça m'appartient, on est d'accord. Là, je vais lever des troupes de mercenaires parce que ça peut mal se passer, quoi. Oh, ça coûte cher, par contre. D'ailleurs, j'ai quel statut? Il est où mon chef de faction? Toi? Méga Basileus. Méga Basileus. Trop bien. Là, oui, c'est vrai que c'est. Ah, j'ai perdu des troupes ici. Bon, bah, je vais la recruter. Ah non, j'ai pas tout recruté, je crois. Mon Méga Basileus, voilà, tu les fures d'hommes, ils matent Ah, parti conservateur, quoi, ils ont fait ça? Ah, c'est la même province, Samartia et. Omega Basileus, il va aller en Samartia. C'est un expert pour mater les rébellions, en fait. Ouais, c'est. Ah, mais dit comme ça, c'est bizarre, mais t'inquiète. Lui, son point fort, c'est les sécessions, en fait. Il arrive à les juguler d'une. Il arrive à les mater plutôt d'une poigne de fer.
Une main de fer, ou je sais pas, une poignée, ou je sais pas. Ouais. Vous voyez que j'ai bien fait. Je l'ai senti venir. C'était gros comme un camion, ça. Bon, par chance, j'ai deux unités. J'ai quelques unités de défense. Ouais, juste qu'il faut. J'ai de la cavalerie. Ça, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Donc, je vais mener la bataille sur le champ. Pas de flotte. Donc là, on peut voir qu'il a un de ses généraux là qui est là, qui est perdu en plein milieu, on sait pas pourquoi, donc je vais envoyer de la cavalerie de mêlée. Envoyer la cavalerie simplement dessus. Putain, les unités par contre pourries, elles sont. Unités de garnison là qui sont pas reconstituées là. Alors, les foutre là, là. Comme ça, je saurais que je dois pas utiliser ça. Donc, ça servira pas à grand chose. Garde Tarantine. Ok. Deux unités de nobles bretteurs ici. Les Scutari, on les met un peu derrière. On va voir en fonction de comment ça se passera. J'ai l'infanterie égyptienne aussi, libyenne. Ah, non, égyptienne. Pareil, même principe, on verra ici. Ok. Là, c'est. Et la cavalerie, je vais la mettre par là. On verra ce qu'on en fera, pareil. Ah oui, c'est vrai que j'ai quelques unités là aussi. Tout ça. Mettez-vous là, vous servira à rien de toute façon. Ouais, pareil. Et trois unités d'éléphants. Par là, je sais pas encore à quoi vous servirez. Allez, on va chercher. La cavalerie ennemie, là. Enfin, les archers ennemis plutôt. Non, je me demandais s'ils avaient de la cavalerie. Ils ont un peu d'éléphants. Et ils courent d'ailleurs. Ok, donc leurs renforts viennent de là. Donc si leurs renforts viennent de là, j'ai envoyé mes éléphants ici. Et ma cavalerie ici. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? On va aller chercher. Alors je l'ai. Je les étale un peu pour que la. Le choc soit meilleur. Hop. Chacun de son côté. Ils envoient les éléphants en première ligne. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ça là. Là, je vais essayer de faire en sorte qu'ils se prennent un bon gros choc. Ils tournent, hein, ils tournent, hein. Ils sont tellement tournés parce qu'ils voulaient pas avoir affaire à eux qu'ils se sont pris la balle. Hein. Ouais, archécouchiste royaux ou pas. Hein. T'as pris un peu la misère. Ah ouais, carte couchiste. Ah, intéressant. Stop, je ne trouve plus mes unités, c'est le bordel, je sais pas pourquoi, t'as des javelots, ils se sont mis là. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est les javelots de. Ok. J'ai des archers, je sais pas pourquoi ils ont bougé. Je retrouve plus mes unités là, donc je fais un petit tri. Ok. Et ça, je leur demande de faire pas de tir enflammé, il pleut. Et merde. Voilà, ils vont se prendre une petite charge d'éléphant là, par contre, ça va pas être. À moins que les éléphants deviennent fous avant. Apparemment, non. Bon, après, ils vont prendre de sacrées pertes hein, quand même. Ok.
Ici, on va se barrer un peu par là-bas, histoire de pas prendre de tir. C'est quoi, des cailloux? Ok. Ça brillait, je me demandais ce que c'était. Et ici, on va se placer derrière. Ok. Les éléphants, ça donne quoi? Ça va. Là, on va bloquer le passage. Là, on va bloquer aussi un peu le passage. Un peu. Ils ont pas l'air de vouloir venir par là-bas, donc ça nous arrange. On a nos éléphants, on va les faire venir petit à petit. Oh les salauds. Ils pilonnent. Eh ben allez. Oh sérieux? Oh. Oh vous êtes mignon gousy gousy. Vous êtes surtout très con hein. C'est pas parce que vous êtes des esclaves que vous devez être con. Il y a eu des esclaves qui étaient extrêmement intelligents et... Même qui servaient par exemple... Je sais plus, un esclave connu qui servait... Servait Jules César, Tubitus, oh, je sais plus, j'ai plus le nom en tête, mais le gars était libéré à la mort de Jules César, je crois même. J'ai plus son nom, enfin, si vous voulez savoir de ce genre de truc, n'hésitez pas à aller regarder la série Rome, elle est vachement bien foutue pour ça. Attends, oula, oui, on va plutôt faire comme ça, les éléphants, hop, voilà. De l'infanterie esclave, hein. Je sais pas ce qu'ils veulent, mais. Ok, on va se retirer. Et on va dire aux éléphants, faites votre vie, les gars, là-dedans, dans le bazar qu'il y a là-dedans. Bah, les éléphants, ils vont s'en donner à cœur joie. Hein. Eux, là, bien évidemment, on va pas les laisser. Hein. Hop, alors eux je vais les replacer parce que s'ils veulent faire tout le tour là. Allô, 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 voilà. Voilà. Vous voulez passer, n'hésitez pas. Alors ça par contre stop. Arrêtez la connerie. Archer mercenaire, ok d'accord. Là avec cette cavalerie je vais essayer d'aller choper tous les fuyards potentiels. Par exemple, ça. Ok, j'ai des éléphants qui se sont barrés jusqu'à là-bas. Hein. Me demandez même pas. Là, vu qu'ils sont occupés par les éléphants, apparemment, bah je vais aller chercher. Hein. Ils ont pas compris hein. Hop, on va reculer, ça sert à rien d'aller au corps à corps des lanciers là. Là, wow, il y a de la troupe. Mode garde, j'ai bien fait d'en emmener là, regardez l'infanterie esclave, même si c'est de l'infanterie pourrie. Ça pourrait mal finir. Hop, morale en berne, morale en berne, morale en berne, tu m'étonnes. Allez, les éléphants, finissez-moi ça. Finissez donc le travail, les gars. Là-bas, je vais les ramener là-bas, les troupes, au cas. What? Wow! Ah non, c'est bon, c'est l'infanterie, ça. Je crois que c'était les miens qui clignotaient, c'était pas une bonne... C'est pas bon, ça. Hop, on va balancer tout ce qu'on a dans le tas là-bas. Voilà. Allez les gars, c'est quand vous voulez. Les fuyards, les fuyards, les fuyards, les fuyards, les fuyards. Alors est-ce qu'il y en a encore un peu? Et si oui, où? Pas tant que ça. Hein. Vous voulez trouver les fuyards. Ok, on va faire ramener comme là. Une petite unité, faut pas déconner au bout d'un moment. Allez,
Une petite charge, hein? Hop. Non, on peut faire encore une ou deux salves, allez. Ça va fuir hein, dans le coin. Oh, il y a des fuyards là-bas. On va continuer. On va bien évidemment qu'on va continuer. On a des troupes à poursuivre. J'aimerais plus m'avoir à me soucier entre guillemets de. Oh, ça va piquer là. Oh, ça va piquer avec les éléphants et tout en plus. Oh là là. J'en ai vu un qui a tiré là, Bruti, tire pas dans les éléphants. On continue en plus. On va pas le faire. Hein. Bon, ça va être simple. Voilà. Alors des fuyards potentiels, où il y en a? Là-bas. Ah ouais, ils ont réussi à passer quand même. Hein. Quelques troupes qui ont réussi à... à survivre. Hop, on va accélérer. Ouais, si vous pouvez tirer là, vous êtes tout seul donc... Donc, objectif le moins de survivants possible, vraiment. Ok. Alors, voyons voir. Ah ouais, ils ont quand même eu 48 survivants. Sûr? Ouais, 1%, bah ça va. Les éléphants, putain mon général, 1076. Bah dans le tas il faisait son. Il faisait sa part de travail. Hein. 1076. Oh, c'est... Absolument dingue. Ah bah on était donné perdant. On a perdu 163 troupes. Voilà, magnifique. On leur fait mal quand même aux couches. Le pire, c'est qu'ils ont des bonnes unités. Je sais pas pourquoi ils utilisent ça. Hein, parce qu'ils ont vraiment des unités absolument magnifiques. Hein. Ils ont des unités à distance qui font ultra mal. Ils ont des unités de corps à corps au chotel. J'ai pas grand chose à leur envier. Non, ils n'ont pas grand chose à m'envier plutôt. Oui, dans ce sens-là, c'est mieux. Alexandrie. Juste histoire de dire. Hop là. À manger. Et à manger là. Voilà, comme ça j'ai une place forte en plus. Ah, les couches, ils remontent sacrément, mine de rien. J'ai pas encore rencontré les séleucides. Si. Ah, ils aiment bien les couches.
proposer un accord commercial. Impact de mon agression. Apparemment, on peut même exiger un paiement. On va essayer de s'en faire un copain, lui. Ouais, on s'en fait un petit copain, là. Attends, quoi? Bactri... Ah oui, Bactri, ok. Rod. On pourrait un accord commercial avec eux. Un pack de non-agression également. Accès. Oui, je m'en fous un peu d'accéder à ces îles. Ouais, le reste, il voudra pas. Ponte. On va les laisser tranquilles. Chypre. C'est une satrapie. Ah oui, les Budines, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut que m'en occuper d'eux. Et de leur cas. Ah bah dis donc, il y a de la tour et du tour en constitution, mine de rien. De la tour. Je ne sais plus parler. Ça devient compliqué. Hop, ça va être l'hiver ici. On va subir des pertes, je pense. Oh, mais bah attends, mais que vois-je? Ah oui, moi. Que vois-je des agents prêts à être améliorés? Si j'arrive à cliquer, si tu veux. Ok. Être compliqué avec la nourriture là. Peut-être falloir m'arrêter au bout d'un moment. Je vais me mettre en famine. Je vais pas rigoler longtemps moi. Ah, je pourrais recruter une unité mais je crois que ça coûte un peu trop cher. Ouais. C'est pas la priorité. Bon les gars Basileus. Lui il est lent, il a mis deux tours pour arriver de là. Là. Oh la vache. La vache. C'est chaud quand même, hein. J'ai bien envie de lui dire oui. Mais en même temps, t'es tellement aimé avec tout le monde que si je fais copain-copain avec toi, ça va être compliqué, quoi. Oula! Bon, je fais la sauvegarde de début tour, ça avait l'air d'être passé le tour, mais non. D'un coup, il m'a dit hop hop hop. Alors, je crois que j'ai des troupes. Ouah. Bon bah alors toi, mon ami. Je sais pas où tu veux aller, mais rassure-toi,
Ou pas. Y a nulle part où tu pourras aller tranquillement. Ok, embuscade. Là ça se passe comment? Bon, il n'y a pas grand monde hein. Je vais attendre un petit peu de reconstitution juste pour la forme et puis après ce sera bon. De toute façon il perdra des troupes quand moi j'en gagnerai donc ça va deux fois plus vite quoi. Bonjour, bonjour, direction Memphis les gars. D'ailleurs, je vais pouvoir les dissoudre. Ah, mine de rien, me coûter 7 à 8 000. Ouais, mode équilibré. J'ai perdu des troupes de balistes. Ah bon? Bah, comment ça, les gars? Ok, on est au corps à corps, quoi. Là, c'est cool. On est un peu con, surtout. Pardon. Pourquoi j'ai fait ça? Non, c'est de la nourriture, hein. Non, je vais pas faire ça, je vais faire ça. 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 Je vais rompre mes accords avec eux. Je vais pas rompre mes accords avec eux. Trop tôt. Il va même pas avoir les territoires là-bas, donc. Ouais, tu voles pas de nourriture, toi? Ouais. Regardez le déplacement. Je fais des sauts de fourmis à chaque fois. C'est terrible. Vraiment. Putain. C'est con ça quand même. Allez, allez, allez. Madeleine. Un saut de fourmis. Je suis sûr qu'une fourmi qui marche tout le temps. Sur 4 mois, elle aurait fait plus de distance, quoi. Non mais sérieusement. C'est la connerie. Ah, il y a encore un abatté. Nouveau de Carmutas. Oh! Et merde. Oh, j'ai chopé une saloperie. Hein. C'était où? C'était Suébia. Ouais, non, merde. Pourquoi il. Ah ouais, sûrement dû au. Sûrement dû au fait que j'ai fait un changement là sur la. Passer en empire. Organiser des jeux alors. Hein. Voilà ici on y va. Oui tiens pourquoi pas. Voilà, tac, tac. Merci. Fait une première province en Ponto Caspia.
Putain, pourquoi il a fait deux trucs comme ça? Il avait deux. Il a deux trucs différents, quoi. Ah, ça me fait bien rire, ça. Tac. Ok. Ah, ils sont reconstitués les saligots. Ah merde. Là j'ai personne. On va y aller. Ils ont du monde mais ils arriveront pas là. Ils arriveront pas là. Bon, dans le cas. Au cas où. Et là, si vraiment il y a quelqu'un, je lèverai des. Et une armée de mercenaires. Ça coûte cher. Ça coûte cher. J'ai bientôt plus de pièces dans mon porte-monnaie. Faire une petite embuscade ici. De toute façon, tant que j'aurais pas repris ces deux, le nord de la Nabatée, je pourrais pas avancer tranquillement. Ou alors il me faut attendre mes troupes. Là, ils sont pas là avant deux ou trois tours. Non plus, ils avancent pas des masses, hein. J'ai rien dit, c'est bon. Je crois qu'ils font un concours du qui avancera le moins. C'est le jeu de loi, mais à l'envers. Non mais pourquoi pas. Oh, ils sont gentils. Oh, ils sont venus jusqu'à ici, quoi, pour se faire démolir. Putain, gentillesse. Ils sont courtois, quand même, hein, les bilines, hein. Bah, ils étaient courtois du coup. Mais... Dans le principe, je vais les relâcher. Allez. Ah! Bah, ils m'ont refilé la peste, ils sont pas si courtois que ça. Hein. Au moins s'en débarrasser, hein, ils nous ont refilé la peste, salaud. On y va, monseigneur. Vous appelez ça une garnison? Un problème, ma garnison? T'as un problème avec ma garnison? À la Bithynie, on a le Ponte. Ah oui. Ils vont. Attends, ils doivent être en. Ils sont pas en dèche de bouffe. Ah, mais je sais pas comment. Mais. Ils n'y sont pas. Très bien, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Je sais pas trop comment. Ah. Non, toi, tu me piqueras pas mon... Mes prises. Ouais. C'est un double échec, quoi. Sérieux. Ouais, plus de 30%, c'est con, quand même. En plus, j'ai pas la portée. Ah! Ah, j'aurais bien aimé avoir la portée, là. Je ne l'ai pas.
pas grand chose, mais je ne l'ai pas. Hop, j'ai une troupe à recruter, j'ai ça. Au cas où je vais les faire revenir par là. Là ça donne quoi? Ok. Ah bon, ils ont quand même le Nil à traverser. Il n'y a pas inventé de plomb à l'époque, les Égyptiens? Sérieux? Ah bon, c'était fait exprès? C'est possible. Oh oh oh. Ah ah, nourriture. Mais elle a pas du gain. Pas du gain. Que tout mon peuple crève famine contre un peu de gain. Oh. C'est quoi ça? C'est pas l'adage des plus grands dirigeants? Pas des plus grands. Pas forcément des meilleurs, j'ai dit. Hein. Attention, hein. Plus grand ne veut pas dire meilleur chez moi. Ok. Ça avance. Ça avance. L'autre, il est en prévision. Et ok, mon objectif de Bosphore est en prévision. L'objectif de l'Egypte est bien avancé. Après, il faudra que je sois allié avec... les Séleucides. Ah, j'ai galéré à trouver. Il est mort de la peste. Enfin lui, il est blessé de la peste. Merde. C'est quand même con ça. Faction rencontrée, Aksum. Ah ça y est, ils sont arrivés. ~9%. Oh j'y crois pas plus que ça. Hein. On va faire des petits raids. Bon, pas réussi. Pas réussi, bon. Au moins, ils sont constants dans la médiocrité. Disons que c'est plus facile à prévoir. On sait qu'ils vont être nuls. Et on se dit pas, ah oui, mais peut-être que... Non. Juste non. Allez, avançons. Ah, peut-être faire un petit bonjour à Knossos aussi. Non, un vrai bonjour, c'est-à-dire du commerce et tout, quoi. Enfin, voilà. Ils me font chier. Bon. Face à notre puissance. Résolution auto. Prends Panticapaum. J'ai perdu la cavalerie, dommage. Non.
chier là, parce que j'ai des territoires là, et ça appartient à deux factions différentes en plus. Bikini et point. Les Bikini s'entendent bien ou pas avec qui? Ouais. Deux actions, on va voir ce que ça va donner. Ok, blessé. Et n'a pas réussi. Bon. Pareil, ils sont pas. Disons que c'est pas leur point fort, quoi. Ils aiment bien avancer, là. Puis si j'ai fait le tour des bâtiments. Le prochain tour, je vais être en... je vais avoir un petit souci de nourriture, je crois. Mais à la fois, prochain tour, je vais pouvoir améliorer ma production de nourriture. Il va vraiment falloir que j'améliore à vitesse grand V. Hein. Parce que là, ça. Ça va, ça craint un peu du boudin. On va voir ça. Ah oui, c'est vrai que lui, il va se balader un peu plus loin. Peut-être que je défends Dolbia quand même. La lenteur. Lui, il va à un endroit, il bouge plus. C'est une enclume. Il me demande de payer, c'est dommage. J'ai vraiment hésité, il m'a demandé de payer. Je n'ai plus que dire non, quoi. Ok, bon, niveau bouffe, c'est pas si mal. C'est pas si pire, comme on dit. C'est pas pire. Mais j'ai une nouvelle technologie. Ça. Il va falloir que je m'en serve. On va voir qu'est-ce que je peux faire d'autre. Oh, moins de corruption, plus d'ordre public. Oh, c'est bien ça. Mais ça, c'est moins de tours. Allez, on va faire ça. Bon, bien évidemment, en Italie, j'ai rien. En Afrique non plus. Oh, sérieux, moins agressif non plus. Ah bah tiens. Ah voilà. On va partir sur de la bonne grosse production. Là, on passe de 10 à 15, donc là j'augmente de 5 par niveau, et là j'augmente de 15 rien qu'à Carthaginensis, pardon. Hop, là j'ai déjà fait un plus 30. C'est pas mal, hein? 35, ça bouge pas. 40, 45, 50. 55. Soixante. 65. Bah, c'est pas tant que ça, hein. Je pensais que ça serait plus, hein. 70. 75. 80. Ah. Ok. 83. 88. Ouais, je vais faire ça. 91. Bon, du négatif. Du négatif. Ah non, ça concerne pas ça. 91, 96. Ah, ça c'est bien aussi, plus 3. 99. Oh, juste histoire de dire, on n'a pas le sang. Quel dommage. Hop. Oh,
Ouais, 99 juste pour dire on n'a pas le sang. Vraiment. Oh bah, c'est con ça. Oh. Ah bah non. Pas mal ça. Allez, on va reprendre la route. Hop, là j'ai deux vétérans ici. Échec. Échec. Non mais voilà, au moins, c'est bien d'apprendre de tes erreurs quoi. Ok, bon bah on va arrêter ici l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Wow, comme d'hab, hein, avant de l'arrêter, bien sûr, on finit le tour pour voir s'il n'y a pas de surprise. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on va découvrir Knossos aussi. Voyons voir. Ouf. T'as fumé toi. Oh en plus t'es... Oh tu t'en parles avec Sparte. Oh. Oh c'est con dit. Je vais aller aider mon voisin copain Spartiate. Oh j'ai pas joué les troupes d'Egypte. Voilà. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine. C'était Tiob.